Les ténas qu'on vu devaient venir de ce bouclier. Le point de rencontre doit être proche. Je pourrais y aller directement. Ou je pourrais aider Ivira à évacuer la vallée avant. Tiens bon, Beta. On va bientôt te sauver. Les munitions électriques me seraient bien utiles. Je mets ça de côté. Ah. Voilà le point de rendez-vous. J'ai encore pas mal de choses à faire avant d'appeler les autres pour attaquer la base des Zéniths. C'est bon. Je suis au point de rendez-vous. Il est temps d'aller sauver Beta et Gaïa. C'est compris, Aloy. Nous sommes en route. Aloy.
Où sont les autres ? Juste là, derrière. Cette tête d'œuf voulait pas voyager avec tout le monde. Tout le monde est là ? Alors on y va. Un tunnel. Une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île. Quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser, j'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement. Alors je n'en ai pas parlé aux autres. On y va ? Oh, j'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base. Pareil. Oh. Voilà la tour de lancement. Cette plaine est à découvert, et il n'y a qu'un seul chemin possible par ici. Des spectres vont sûrement le garder. Et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars. Très bien. Alva, Kotalo, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelque chose d'important. Erend, avec moi. Vous autres, passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir. C'est une bonne tactique, j'imagine. Et elle, que fera-t-elle ? Il y a un nœud de capteur pas loin. Si je le pirate, je devrais pouvoir brouiller le réseau et vous permettre de passer inaperçu. Mais pas longtemps. Eh bien, poursuivons dans ce cas. Autre chose. Ouvre le canal à Beta. Juste l'audio. Aloy ? On est là. Et on vient te sauver. Tu sais quoi faire, pas vrai ? Bien sûr, tant que tu fais ta part. Sans faute. À tout de suite. Sois prudente. Allons-y. Va à la tour de lancement le plus vite possible. Je ferai de mon mieux pour camoufler notre intrusion. Attention, Aloy. Un spectre droit devant. On a de la compagnie. Allez. Ce que je fais toujours. L'acide lui ferait de gros dégâts.
Et prends ça! Va à la tour de lancement le plus vite possible. Je ferai de mon mieux pour camoufler notre intrusion. Attention, Aloy. Un spectre droit devant. On a de la compagnie. Allez. Je fais toujours. Les munitions d'acier lui régleront rapidement son cas. Moi aussi. T'as trouvé quelque chose ? Oui. Il me semble qu'il y a une grotte en haut qui pourrait nous permettre de traverser cette crête. Il va falloir grimper. On devrait continuer. Il
Y a quoi dans ce sac à dos? Des enclumes? Aloy, Alva et moi arrivons vers le régulateur. Tenez-moi au courant. C'est sinistre ici. Ne t'en fais pas, je te protégerai. Il faudrait un aussi. J'imagine que je vais devoir trouver un autre chemin. Je suis pas vraiment fait pour l'escalade. Désolé, Eren. Il y a beaucoup de machines détruites sur cette île. On en a tué beaucoup quand on s'est posé ici. Leurs pièces peuvent sûrement être utiles. Un autre spectre. Évite-le ou attaque, comme tu veux. Je pourrais utiliser de l'acide contre elle. Aloy est attaqué. Couvrez-la. Du plasma. Attaque-la avec du plasma. D'accord, je tire. Ça va aller? Oui. Je vais trouver un moyen de remonter. Hé, t'es en bas? Ça ira. Je vais tout remonter. Tiens toujours? C'est le moment de l'attaquer avec du plasma. Pas trop mal, j'imagine. Mieux que n'importe quel océram. Des éclats? Un peu. Allez, Aloy, on y va.
Évitons de traîner, d'accord ? Fatigué ? Ouais. Hey ! Passe-nous-en ! C'est fait. Je vais laisser ça ici, alors. On y va ! Elle a l'air résistante à l'électricité. Aloy, on peut s'occuper de lui. Continue. Utilise de la pile. On va la ronger. On peut traverser sur la carcasse d'oiseaux tempête. Je déteste les oiseaux tempête. Mais bon, s'il est mort, je veux bien m'en servir. Tu te souviens du bon vieux temps, quand notre seul problème était d'éviter la destruction de Méridian ? Au lieu de sauver le monde entier. Ah oui. C'était le bon temps. Ah, l'autre spectre. L'attaque d'Activa. Dès que tu seras prête. Hé, c'est juste là. Longue vie à la castagne. Faites-moi comme un homme. Thank you.
Rafed. Sur pied. Allez, viens. Attention à pas t'en mettre dessus. C'est le moment de la tuer avec le plasma. Juste des pièces. Là, par-dessus ce rocher. Ça va tout changer pour moi. Faudrait pas se diriger vers la tour ? Ah, je dis pas non. Il faut faire le tour en escaladant. Je vais essayer de pas trop me plaindre. Je vois la suite du chemin. Continuez d'avancer. On va aussi vite que possible. Tout va bien ? Oh, je survivrai. On dirait que les autres se débrouillent très bien. Ils ont combien de spectres, les Zéniths ? Bien plus qu'on voudrait en affronter, ça c'est certain. Ça va exploser.
Allez, on monte là-dessus. Vite, la fille. Ça va la rouler. Tu tires comme une Outarou à l'œil. Aloy, Alva et moi sommes en position. Allez-y. Détruisez le régulateur. Il faut juste que j'allume les charges. Alva et Kotalo ont réussi. C'est au tour de Beta. Aloy, je crois qu'on a des ennuis. Je ne sais pas comment tu comptais neutraliser ces spectres, mais maintenant il faut y aller. Ce n'est pas moi qui m'en charge. C'est Beta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on ne l'a pas. Allez, Beta, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre armée. Je crois que tu as leur attention. Très joli coup. Tu as demandé à Beta d'injecter Héphaïstos dans la matrice d'impression de la base. Qui est plus rapide et plus puissante que n'importe quel creuset. Oui, et maintenant elle crée des machines autant qu'elle le souhaite. On doit être à la tour avant que cet endroit se transforme en champ de bataille. Ta petite manœuvre, bien que rusée, a permis à Héphaïstos d'éviter le confinement. Il va sûrement retourner sur le réseau des creusets. On l'a déjà eu une fois, on peut recommencer. Ou peut-être trouver un moyen de répliquer sa fonctionnalité avec la base de données d'Apollon. Oui, je vais trouver un moyen de remonter. À l'œil. Au cas où on survivrait pas, j'ai un seul regret. Qu'est-ce que c'est ? Qu'on ait dû faire autant d'escalades. Ce gros rocher pourrait nous servir de pont pour traverser. Oui. Je pourrais essayer des munitions d'acide. Apparemment, tous les spectres ne combattent pas nos machines. Non, parce que ça aurait été bien trop facile.
et le chauve affrontent un autre spectre là-haut. Je pense qu'ils peuvent gérer. Hey, c'est juste là. Tu sais. Je peux m'en sortir. Plasma ! Attaque-la avec du plasma ! Par ici. Sinon, en route si t'es prête. Vers la droite, je pense. Et maintenant à gauche. Atteindre la tour de lancement en traversant le hangar. Je me dirige là-bas pour te rejoindre. Le hangar est en sale état, mais je vois une entrée. Vite, Aloy.
Encore un. Je vais laisser ça ici, alors. Anguille à la castagne. J'ai une fenêtre au tir. Oui, moi aussi. On y va. Ça, c'est sympa. On peut monter par là. Wow. Regarde-moi tous ces trucs de l'espace. Aloy, c'était intense. Mikotalo m'a amené vers un noyau du réseau. Je vais essayer d'y accéder. Continuez. On est presque à la tour. C'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, Zénith en vue, on pourrait abattre leurs boucliers. Je charge l'appareil. Bouge pas. C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous, des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien.
Alors tant pis. Plombez-les! Sommes-nous censés avoir peur? Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là? Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se frayer un chemin. Paré? Va tout en haut et récupère Gaïa. Je vais arrêter Gérard. Je dois atteindre le sommet de la tour et libérer Beta. Aloy! Très foutue machine! Toutes mes excuses. On va s'en tirer si Alva ne traîne pas. Je suis presque dans le réseau! Fais tant mieux. Bon, un ascenseur. C'est un début. On a encore des affaires à régler, jeune fille. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi, tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu es dépassé. Oh. Il ne faut pas qu'il m'attrape. Tu crois que je ne peux pas t'atteindre ? Je vais t'abattre! Ce n'est pas la même chose que les sentiments, la douleur, la souffrance, la puissance, la frustration, l'adulation. Bien, tout près.
Aloy, t'es là? Je viens pour t'aider. Un peu de temps. Je dois juste trouver par où passer. Fais-moi le malin sans ton bouclier, hein? Ah. Allez! Laisse-moi goûter ton sang. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein? Tout va bien? Ça ira, je suppose. Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les autres pour m'assurer qu'ils vont bien. Je devrais prendre l'ascenseur. Huh?